Grace, so let me just begin the discussion and feel free to jump in and disagree with each other and that sort of thing. I want to begin with Renaud here to ask him, because his president, Mr. Macron, has made a thing of being the Trump whisperer. He's the person who seems to be the only world leader who can get along with Trump. And I guess the question is, how has he managed to do that? But also, what has he gotten back from Mr. Trump in return for this, his attitude towards the United States? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jim, c'est-à-dire que Macron, en fait, selon moi, a eu l'intelligence de comprendre que Trump était très sensible au rapport personnel, qu'il ne lisait pas beaucoup les notes qu'on lui faisait, très sensible aux explications directes entre dirigeants. Et ça, il l'a bien compris. Et cet aspect particulier de la personnalité de Trump peut avoir des conséquences néfastes. On l'a vu lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue le 6 octobre dernier avec le président turc Erdogan, où le président turc a réussi à obtenir de lui un feu vert pour envahir le nord de la Syrie. Mais avec Macron, je pense que ça marche. Je pense que au départ, évidemment, ça a un peu patiné, mais on ne peut pas évidemment faire changer intégralement les convictions de Trump, qui sont très, très fortes depuis toujours. Donc ça n'a pas marché sur le climat, ça n'a pas marché au départ sur le JCPOA, sur l'Iran, sur l'accord nucléaire sur l'Iran. Macron n'est pas parvenu à faire revenir en arrière Trump. Mais en revanche, je pense que en maintenant cette relation personnelle, qui a commencé par un déjeuner à la Tour Eiffel, il a eu un rôle assez important, Macron, et on l'a vu à Biarritz, par exemple. À Biarritz, il a fait une manœuvre incroyable, c'est-à-dire qu'il a réussi à isoler complètement Trump de ses conseillers et de ses ministres. Ce n'était pas prévu, il l'a pris à part. Bolton a été éloigné à plus de 200 mètres, et sans interprète, il lui a parlé pendant 2 heures. Et c'est là, évidemment, qu'il lui a confié, lui a demandé, est-ce que tu verras un inconvénient à ce que j'invite Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, pour discuter avec lui. C'est là qu'évidemment, Trump lui a donné un feu vert. Un feu vert qui était normal. On ne peut pas faire une conférence où le président américain est là et lui a imposé d'inviter ce qui pourrait être un ennemi. Et donc, ça a marché. Macron n'a pas réussi à faire la rencontre qu'il a essayé de faire à New York entre le président Rouhani et le président Trump, le président iranien. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que Rouhani n'est pas le leader de l'Iran. C'est le conseiller en chef du régime. Mais ce n'est pas le leader de l'Iran. Le leader de l'Iran, c'est l'ayatollah Khamenei. Et Khamenei n'a pas donné l'autorisation à Rouhani de faire ce rendez-vous avec Trump. Mais on ne peut pas critiquer Macron là-dessus, même s'il a échoué, parce que, indiscutablement, la cause de la paix dans le golfe Persique a progressé après Biarritz. Personne ne peut pas le nier. Autre, je pense, élément favorable de la politique de Macron à l'égard de Trump, c'est sur la Russie. Je pense qu'il parle avec la Russie. Macron a tenté, ou tente en ce moment, un rapprochement, de ramener en fait la Russie dans la communauté internationale, dans la discussion. Je pense que Macron a compris que c'était une folie de vouloir jeter les Russes dans les bras des Chinois. Et on va voir si ça marche. Il tient au courant Trump, et c'est très important. Il y a eu le dîner de Brégançon. Comment va se passer la réunion à Paris du format Normandie, c'est-à-dire avec le dirigeant allemand, français, ukrainien, russe, qui devrait arriver, je pense, en novembre, ou peut-être en décembre? Est-ce qu'on va avancer sur le dossier du Donbass? C'est possible, puisqu'on a une nouvelle donne avec le président ukrainien Zelensky. C'est tout à fait possible, et si on avance sur ce domaine du Donbass, c'est-à-dire que si on règle le Donbass, on avance vers un règlement du Donbass, qui est une solution pas assez facile, amnistie,
autonomie culturelle, mais pas autonomie politique du Donbass. Voilà, c'est ça le deal. Si on arrive à avancer là-dessus, on pourra peut-être envisager une discussion entre les Européens, les Américains peut-être, et surtout les Européens et les Russes, sur le Moyen-Orient. Parce qu'évidemment, on a, l'affaire syrienne nous montre qu'on a besoin d'une coopération entre les Russes et les Moyen-Orient. Voilà, et donc, pour finir, pour conclure, quelle est la situation en Amérique aujourd'hui? La situation en Amérique, c'est que Biden est mort. Sa candidature est morte, tout le monde l'a compris, à cause de Hunter, de son fils. Donc, Elizabeth Warren est en train de monter. Not everybody would agree with that. OK. Bah, je donne mon interprétation, puis l'année prochaine, tu pourras me dire que je me suis trompé. Je donne mon interprétation. Elizabeth Warren est en train de monter, mais comme elle a des idées extrêmement à gauche, semble-t-il, notamment, je crois qu'elle a proposé récemment de supprimer le corps des gardiens des frontières, en quelque sorte américaines, ça va être assez facile à Trump de faire une campagne dirigée contre elle avec un seul slogan, il n'en suffit pas de plus, qui sera Poncaotas, c'est comme ça qu'il l'appelle, Poncaotas veut transformer l'Amérique en passoire. Ça peut marcher. Et donc, ce que je dis là, c'est que je pense que Trump peut être élu, a encore des chances d'être élu président. Dans ces cas-là, je trouve que Macron a eu raison d'anticiper, parce que si on a encore 4 ans de Trump, eh bien, Macron sera là, parce que je pense qu'il a aussi de très fortes chances pour être réélu lui-même, Macron sera là pour faire ce qu'on appelle, et ce sera mon seul mot en anglais de cette session, pour faire ce qu'on appelle en anglais 4 ans de damage control. But so as you see it, no negative consequences for Macron in the sense that Trump's famous for throwing his friends under the bus. So I mean, you know, there's been no negative consequences. Non, je pense, I don't think so. Non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit négatif sur Macron. Je pense pas du tout. Même il y a des gens qui se moquent de lui. Voilà, il a essayé à New York, il a attendu dans un hall d'hôtel, etc. Et alors? La cause de la peine n'est-elle pas supérieure? Je ne pense pas du tout qu'on puisse lui reprocher. Il fait tout. Enfin, ça serait quand même très grave qu'il y ait une quatrième guerre dans le Golfe Persique. On a vu les conséquences catastrophiques de la guerre américaine en Irak de 2003. Donc, je pense que Macron fait tout pour trouver un deal entre l'Iran et l'Amérique. Le deal, c'est comme l'Ukraine, on sait très bien quel est le deal. Le deal, c'est l'abandon de ce qu'on appelle en anglais les « sunset clauses », c'est-à-dire que l'Iran renonce à jamais à l'arme nucléaire, mais évidemment, les Américains lui laissent son axe dans les capitales arabes qu'il a conquis, c'est-à-dire Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Avec peut-être les Iraniens prêts à lâcher le Yémen parce que ce n'est pas très intéressant pour eux. Alors, on n'appellera pas ça un axe, on appellera ça un marché commun. On trouvera un nom un peu plus soft. Mais c'est ça le deal. Le deal est prêt. Et Macron pense que ce deal peut être atteint et il essaye de l'atteindre avec Trump. Et il a évidemment parfaitement raison. Et de toute façon, d'ores et déjà, Macron a fait progresser la paix dans le Golfe Persique. C'est absolument indéniable. Okay.